cœur terrestre. Ce n'est pas seulement aux portes dans notre corps que l'on est aux portes de la joie. Je vois au loin le phare. À la façon de qui respire profondément les fruits avant de les manger. Ainsi, je savoure l'odeur de la mer. Avec un murmure silencieux, musique entrant sec au son, l'enfant dont parle Eugenio de Andrade m'accompagne. Il me donne sa petite main pendant que je descends, que nous descendons ensemble l'avenue Francisco Aguirre. Et les vers de Rimbaud aussi m'accompagnent cet après-midi après la pluie. Et les retrouver. Quoi? L'éternité. C'est la mer au soleil mêlé. Je ne me souviens pas jamais avoir traversé aussi vite une ville dans laquelle j'arrivais pour la première fois. Et c'est la première fois que cette mer s'ouvre ainsi devant moi, en me demandant que je sois un bar, un espadon, un colin, un congre, un poisson-loup, ou alors une sirène, que j'ai des branchies au lieu de poumons et des écailles au lieu d'une peau. Les vagues m'ont appelé sur cette plage. Écho de l'infini, de l'oubli, résonance en nous de ce qui est le plus lointain. Cependant, je n'ai pas plongé. Je suis seulement resté là à regarder. Oui, je porte en moi un enfant qui n'a jamais vu la mer. Et j'apprends ici, et j'accepte mon cœur terrestre.